personne. There's another person qui est dans une prison. Who's in a jail cell. Une prison spirituelle. A spiritual jail cell. Ce sont les gens de ta famille. Caused by people from your family. They perform witchcraft against you to imprison you. Ne marche pas. None of what you do ever succeeds. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Maintenant. Even now. Je brise la prison. I come against that jail cell in Jesus' name. Maintenant. I break it in Jesus' name. Leave her in Jesus' name. Acclame Jésus. Amenez-la ici. Bring your foot. Oh, Dieu magnifique. You're wonderful, Lord. Dieu me donne un prénom, Elizabeth. God is giving me a first name, Elizabeth. Cette femme que Dieu veut guérir. It's a woman that the Lord wants to heal. Dieu veut restaurer. That the Lord wants to restore. Oh, Dieu de gloire. God of glory. Lâche-la. Let go of her. It's done. In the name of Jesus. It's done. Let go of her. Glory be to God. It's done. Par cette occasion, à travers ce séminaire, je remercie le Seigneur qui m'a accordé la vie en ce jour et m'a accordé la chance de participer. Je lui rends toute la gloire parce qu'il a intervenu si puissamment dans ma vie. J'allais à travers des situations critiques de la vie pendant 90 jours en tant qu'une grande personne. Je ne faisais que pisser sur mon lit, ne sachant d'où cela venait. Et aussi, il y avait les visites nocturnes. Après quoi, je me suis rendu compte que c'est ainsi mon papa a intégré le corps des sorciers. Et qu'en un moment, à son tour, il m'a donné comme un corps pour le sacrifice. Ils ont tenté tous les sorciers du village et n'ont pas pu. Le Seigneur a intervenu une fois encore dans ma vie parce que mon papa m'a mangé spirituellement. Et il ne veut plus qu'un homme dans le physique me marie. Si bien que le 17 décembre 2014, j'étais mariée. Et juste après 6 mois, le jour où je faisais 6 mois de mariage, dans l'amour, dans l'entente et le pardon, mon mari a quitté la maison. Je n'ai rien compris. Et c'est après, je me suis rendu compte que c'est ainsi. C'est mon papa qui chasse mes maris physiques. Donc, le docteur aussi a détecté quelque chose dans mon ventre. On m'a opéré une fois. Il fallait qu'on m'opère la deuxième et la troisième fois. Mais j'ai dit non à la deuxième et à la troisième opération parce que le Seigneur pouvait tout faire pour moi. Et c'est ainsi. Hier seulement, je disais à mon pasteur local que je voulais la délivrance. Ce qui n'a pas pu se faire aujourd'hui. Mais au cours de cette séance de séminaire ici, je remercie le Seigneur qui a passé par l'homme de Dieu pour me délivrer. La chose qui bougeait comme un bébé de 3 mois dans mon ventre, je ne sens plus après la prière. La chose ne bouge plus. Amen. Les sorciers de mon village qui m'avaient enclavé dans leur cage après la prière, j'ai senti une paix paisible du cœur. J'ai senti un soulagement. J'ai senti vraiment le stress qui m'enrobait et m'enfonçait plutôt dans les ténèbres, dans le gouffre me conduisant dans le canal de la mort. Après la prière, je remercie le Seigneur pour la délivrance qu'il m'a accordée en ce jour. Et je suis selon la parole qui dit que c'est ainsi avec le Seigneur au front des espoirs. À partir d'aujourd'hui, je sais que le soleil de mon bonheur s'est levé. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Je le remercie pour la vie de son serviteur, que lui-même, qui avait descendu le jour de la Pentecôte, une double onction sur ses serviteurs, qu'il descende 2 fois la double onction du Saint-Esprit sur son serviteur, afin que partout où il ira, que des signes, des prodiges et des miracles accompagnent la parole
de sa bouche. Que tous ceux qui travaillent en collaboration avec l'homme de Dieu aussi puissent être fortifiés, parce que la parole déclare que c'est ainsi. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force, ils poussent sans se lasser, mais sans se fatiguer. Qu'il en soit ainsi pour eux, une fois encore. Que l'équipe soit bénie, soit fortifiée, que le Seigneur nous accorde sa grâce de persévérer jusqu'à la fin pour se retrouver un jour au ciel. Je vous remercie, le Seigneur. Amen.